producteur en Normandie, dans le sud du Pays d'Auge. Mon eau de ma société s'appelle Les Vergers de la Morinière, donc je suis la cinquième génération de producteurs à la Morinière. Nous avons à peu près 50 hectares de pré-vergers sur 2 km autour de l'exploitation. Donc on récolte l'ensemble de notre production, ce qui fait à peu près 250 à 300 tonnes de pommes par an. Je pense qu'on pourrait l'associer en faisant des petites rondelles, éventuellement, donc il faut la faire cuire, faire des petites rondelles revenues dans une poêle avec des oignons. Donc vous la faites revenir, du cidre arrosé, je ne sais pas trop comment le terme exact des cuisiniers, arrosé de cidre, réduction de cidre. Donc là ça sera pas mal parce que ça fera une sauce un peu aigre-doux entre guillemets, parce qu'il y aura le côté sucré qui ressortira un petit peu. Et puis forcément la touche de crème, parce qu'on n'est pas normand pour rien. Merci Astrid de nous avoir amené le cidre de Pays d'Auge que nous allons associer à la saucisse de Morteau en faisant une réduction aux oignons et à la crème fraîche. Pour réaliser cette recette, faites cuire dans un premier temps la saucisse. Pendant ce temps, faites revenir les oignons avec une noisette de beurre. Une fois la saucisse cuite, sortez-la de l'eau et tranchez-la en petits cubes que vous allez directement ajouter au mélange d'oignons. Faites rissoler les deux ensemble jusqu'à ce que la saucisse soit légèrement dorée. Ajoutez le cidre que vous allez laisser réduire avant d'ajouter la crème fraîche. Pendant ce temps, vous faites revenir des carottes à la vapeur. Et voilà, bon appétit !